Salut à tous, c'est Fortnite TV Show. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous expliquer trois des théories sur le triangle des Bermudes, on va dire ça comme ça, de Loot Lake. Donc, comme vous voyez du haut du ciel, on peut voir un triangle apparaître dans le lac de Loot Lake. Donc, on va y aller. Donc déjà, on va commencer par y aller, aller voir ce qu'il y a, ce qu'il peut y avoir en dessous de l'eau. Mais je pense qu'il n'y aura rien. Et en fait, donc, les trois théories. Donc, la théorie la plus probable de ce triangle, vous voyez déjà, on le voit déjà plus. Et en fait, la théorie la plus probable de ce triangle, ce serait que une pyramide vienne se construire, vienne pousser ici à cet endroit-là. Et qu'elle apparaisse à la semaine 7. Voilà, tout simplement. Ensuite, la deuxième théorie. Donc déjà, je vais prendre le coffre, parce que s'il y a un gars. Donc vous voyez, alors on commence la deuxième théorie. Vous voyez, si on casse la barque, il n'y a rien. Il y a juste un coffre. Et si vous regardez en dessous, vous voyez, il n'y a rien. On voit rien du tout. Il n'y a que de l'eau. Donc déjà, on peut, pour l'instant, on ne peut rien voir par rapport à ça. Ensuite, donc là je disais, la deuxième théorie serait que, vous voyez les rochers de météorites, bah ce serait que un de ces rochers viennent se pousser sous l'eau et qui apparaissent comme ceux de là-bas. Ça c'est la deuxième théorie, mais ça se peut, hein, mais voilà, je pense qu'il y aurait déjà les rochers apparus déjà depuis longtemps, comme vous pouvez voir en face. Et ensuite, la troisième théorie. Parce que je sens le fight. La troisième théorie, la moins probable, hein, c'est vraiment la dernière. Pour ceux qui savent ce que c'est le triangle des Bermudes est un triangle au fond de l'océan où les bateaux et les avions qui sont déjà passés dessus ou au-dessus, et bah sont morts en fait, tout simplement. Donc, ça il me vaut pas lui. Donc, il y a peut-être une théorie où il dirait que tous ceux qui passeront ici seront morts, voilà, tout simplement. Mais ça, voilà, c'est la théorie la moins probable, hein. Je pense que ça arrivera pas, jamais, je pense. Mais en tout cas, pour moi, la plus probable, ce serait qu'une pyramide vienne ici. Franchement, ce serait magnifique, hein, une pyramide dans Loot Lake. Parce que Loot Lake, moi j'aime pas trop, parce que c'est un peu, je trouve, le bazar. Et en plus, à chaque fois qu'on passe ici, je trouve qu'on meurt assez souvent. J'aime pas Loot Lake du tout. Et donc, qui ajouterait une pyramide dedans, ce serait franchement magnifique. Et en plus, vu que le pass de combat 5, c'est le désert, voilà, le désert, le western, il y a un peu de Moyen-Âge aussi. Mais il y a beaucoup aussi de pharaons. On veut déjà l'image et tout ça, donc je pense que là, voilà, il y aura une pyramide à la semaine 7. Enfin, il y en a qui disent que c'est à la semaine 7, mais je sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, là, voilà, tout le monde pense que ce serait une pyramide. Donc ce serait juste magnifique. Et donc voilà pour cette petite pour ces trois théories de ce petit triangle des Bermudes, hein. On va l'appeler comme ça. Et bah j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous en savez plus sur ce triangle, si vous avez plus d'infos, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je saurai aussi un peu. Parce que moi j'ai pas plus d'infos. J'ai cherché partout sur Google ou sur YouTube, bah y a rien. Donc voilà. Donc merci de laisser l'info si vous le savez. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao.